Avec des solutions efficaces et innovantes de défense anti-martre en qualité OE, K&K se tient aux côtés de ses clients en tant que partenaire compétent. Parallèlement aux innovations automobiles, l'entreprise basée près de Heidelberg développe également en permanence ses performances de défense anti-martre. La vaste gamme de produits K&K comprend des appareils connectés à la batterie de la voiture, ainsi que des appareils autonomes dotés de leur propre alimentation par pile. On vous présente dans ce film l'installation d'un système de défense anti-martre à l'aide d'un appareil à pile autonome. L'installation d'un appareil de connexion est pratiquement analogue et ne diffère que par la connexion. En cas d'étapes différentes, celles-ci seront indiquées dans un fondu enchaîné. Vous trouverez les détails et les instructions de sécurité dans les notices d'installation illustrées respectives. Les martres marquent leur territoire avec des marques olfactives. Avant l'utilisation efficace d'une solution anti-martre, on doit enlever les marques de zone dans le compartiment moteur et sur le capot de façon optimale avec le destructeur de marques olfactives K&K. 2 ou 3 minutes après la vaporisation, le produit est rincé avec les marques olfactives dissoutes. Veuillez noter que l'utilisation du destructeur de marques olfactives seul ne protège pas contre les morsures de martre. Tous les appareils sont soigneusement vérifiés par nos soins. Cependant, veuillez effectuer un test fonctionnel avant l'installation finale de l'appareil. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes sur une surface isolante avec une unité de commande et une brosse de contact en état non construit. Utilisez uniquement des piles avec une tension de 1,5 V, pas de piles rechargeables. Avant l'installation, débranchez la fiche compacte et éteignez l'interrupteur à bascule ou retirez le fusible d'un périphérique de connexion. Veuillez maintenir une distance suffisante entre les pièces tournantes et chaudes lors de l'assemblage de tous les composants. Il est important lors de l'installation de l'unité de commande que les LED de contrôle soient visibles et que la batterie soit accessible. L'unité de commande est fixée à l'aide d'attaches de câbles. La mise en place du transmetteur d'ultrasons avec le haut-parleur dôme à 360 degrés se fait en dessous, là où les ultrasons rayonnent sans obstacle et peuvent former un tapis sonore. Grâce à une électronique étanche et un haut-parleur complètement fermé, on obtient une résistance à l'eau au-dessus de la norme IP65 et une installation dans un espace sujet aux éclaboussures et dans la zone d'entrée de la martre est possible. Dans l'appareil de connexion, le transmetteur d'ultrasons fait partie intégrante de l'unité de commande. L'appareil doit être installé de manière à ce que les ultrasons puissent rayonner librement vers le sol. Si le cône lumineux d'une lampe de poche atteint le sol une fois que la protection contre l'encastrage est démontée, vous avez trouvé la position optimale. Les connecteurs et les portes fusibles doivent être montés de façon à ce qu'ils soient facilement accessibles. La connexion est faite au pôle positif de la batterie 12 V et au pôle négatif ou au point de masse de la carrosserie. L'interrupteur du capot de sécurité décharge immédiatement les brosses à haute tension dès que le capot est ouvert. L'œillet du faisceau de câblage doit être placé sous le support de montage de l'interrupteur. Celui-ci doit être en contact avec l'anneau de cuivre afin d'établir une connexion électriquement conductrice avec la surface de connexion. Le patin affichable est placé sur le pied de l'interrupteur. Dans le cas d'un appareil connecté, le contacteur d'ouverture de capot peut être branché sur n'importe quelle plaque de contact de brosse avec le câble joint, mais toujours au pôle positif. On reconnaît le pôle positif à la languette rouge du câble haute tension. Par conséquent, prévoyez l'une des brosses à proximité du contacteur d'ouverture de capot pour la connexion ultérieure. Merci de noter que la vis de fixation doit toujours intégrer une connexion électriquement conductrice au châssis de la voiture. Comme alternative, si l'interrupteur ne peut être fixé que dans du plastique, placez un œillet à vis sous la vis et connectez-le au châssis via un câble. On va connecter maintenant l'unité de commande et le câble haute tension l'un à l'autre via une prise compacte. En cas de panne, l'unité de commande peut être facilement retirée sans démontage complet. Lors du positionnement des brosses de contact, les zones d'entrée possibles et celles sujettes aux morsures doivent être sécurisées. Idéalement, l'installation est réalisée par le bas à l'aide d'une plateforme élévatrice. Les brosses multi-contact entrent en contact avec la peau, même à travers le pelage isolant. Du fait que les brosses, de par leur nature, sont à deux pôles, il n'est pas nécessaire, lors du choix de leur position, de tenir compte du fait qu'une partie conductrice soit à proximité. Pour éviter un court-circuit, les brosses devraient être installées au moins à 10 mm d'autres pièces conductrices.
Le drainage de l'eau est assuré par un montage des brosses légèrement inclinées. Fixez les brosses de contact avec des attaches de câbles à leur place définitive. Veillez à ce que ceux-ci ne passent pas sur les brosses. En vissant les vis, la brosse de contact est fixée, le câble haute tension est taraudé et le contact est établi. L'extrémité du câble ne doit pas dépasser de la dernière brosse de contact et doit donc être raccourcie. Placez le bouton de basculement sur « On ». Au contraire, dans le cas d'un appareil connecté, la mise en place d'un fusible a lieu après le montage. La LED de contrôle pour la fonction d'ultrason commence à clignoter. Pour un contrôle fonctionnel complet, le contacteur de sécurité d'ouverture de capot doit rester actionné continuellement. Si l'appareil est connecté correctement, le voyant de contrôle de haute tension commence à clignoter. Les deux LED pour le contrôle de fonction clignotent de façon irrégulière et avec différentes intensités lumineuses. La première mise en service peut durer quelques minutes. Ne touchez pas les brosses de contact dans cet état. Le contacteur d'ouverture de capot fonctionne correctement si la LED de haute tension s'éteint lorsqu'on le relâche. Si la LED de contrôle par ultrason clignote rapidement, l'appareil est éteint pendant que le moteur est en marche par la détection de vibrations. Le câblage complet du système haute tension est fixé avec des attaches de câbles après le test fonctionnel. Ensuite, on place l'étiquette d'avertissement à un endroit bien visible dans le compartiment moteur. Une fois que la mise en place du système anti-martre est terminée, le véhicule est protégé dans l'ensemble du compartiment moteur et surtout au niveau des zones d'entrée classiques.